voulu un moment arrêter, faire autre chose, rentrer dans l'anonymat total. Je ne sais pas si j'allais y arriver, mais j'ai pensé à ça. Tu étais en PLS. J'avais le moral à zéro. Le moral à zéro. Tu peux continuer aussi. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin soit heureuse. Salut, c'est José. Vous êtes dans Life Focus sur Life Magazine. José Godier, oui. Super, est-ce que tu peux nous sortir quelques mots en Godier, savoir si tu... En tout cas, je ne parle pas mon dialecte, mais il y a certaines phrases que je peux dire vite fait. Je peux dire ayo, ayoka pour saluer, yakali, viens va manger, moka budo, va te laver, moka sepou, va te coucher. Ça ressemble un peu au BT. Trois moments marquants de mon parcours d'artiste. En premier, je vais mettre la cérémonie d'ouverture de la Cannes parce que c'est le plus récent et ça reste quand même un moment assez solennel pour moi parce que je chantais pour mon pays, je faisais une prière en public pour mon pays et c'est une chanson qui, par la grâce de Dieu, a marqué non seulement moi, mes fans, mais aussi tout le pays et tous ceux qui étaient présents pour la CAN en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier. Le deuxième est le fait que je sois choisi en tant que coach à The Voice, à Afrique francophone, spécial Côte d'Ivoire. Faut dire que The Voice, c'est quand même The Voice. C'est une émission qui est représentée dans plusieurs pays, qui recherche des talents. Et donc, le fait que je sois coach pour The Voice, Afrique francophone, spécial Côte d'Ivoire, pour moi, me positionne au niveau de l'échiquier international parce que The Voice, c'est GOAT en termes d'émissions et de recherche de talent. Donc c'est un grand moment aussi pour moi. Et le troisième moment, c'est... Je bloque sur le troisième, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête en même temps. Pour moi, chanter devant le président de la République, c'est grandiose. Devant la première dame, c'est grandiose. Bon, je vais prendre le plus récent, la sortie de mon dernier album, Vibration Universelle. La release party, pour moi, c'est un grand moment. Alors, José et le talent pour la musique, il faut dire que mes parents chantent, en famille on chante, on n'est pas chanteur professionnel. Mais il faut dire que j'ai grandi, j'ai baigné un peu dans cette atmosphère-là parce que depuis toute petite, je vais à l'église méthodiste. Il faut dire que l'église méthodiste est reconnue en tant que celle qui a les plus beaux chants et qui a cette faculté-là de bien rendre les chansons. Donc j'ai un peu baigné dans cet univers et j'ai grandi comme ça. Et après, je me suis fait ma propre culture musicale. Lorsque j'ai décidé d'en faire un métier, déjà j'ai mis le souhait de faire de ce talent-là un métier depuis que j'ai commencé à aller au collège. Et mon père il me disait non, il faut aller à l'école parce que la musique ne nourrit pas son homme ici en Afrique. Et il est bien que tu aies un travail et après la musique tu peux en faire une seconde passion. Au départ ils n'étaient pas d'accord et donc j'ai suivi leur conseil, je suis allé à l'école parce que ce sont mes parents. Et lorsque je devais me décider pour un choix de carrière définitif, c'est-à-dire entre l'école nationale d'administration et la musique, j'ai fait asseoir mon père, je lui ai dit bon ben j'ai suivi tout ce que tu m'as dit, j'ai essayé de voir un peu en quoi ma vie allait ressembler étant dans l'administration et personnellement je penche plus pour la musique. Il m'a donné sa bénédiction parce qu'il m'a dit de toute façon tu as eu tes diplômes donc si tu vas et que tu te cognes la tête tu pourras revenir pour travailler. C'est un choix fort hein, parce qu'il y avait une carrière professionnelle qui t'ouvrait les bras, voilà, il y avait une garantie, il y avait une garantie parce que la fonction publique c'est vraiment une garantie de travail et puis l'école nationale d'administration c'est quand même la crème de l'administration ivoirienne comme ils aiment bien le dire et c'est la vérité. Lorsqu'on cherche des agents fonctionnaires on se réfère d'abord à l'école nationale d'administration avant de chercher ailleurs et donc j'avais ce choix là, c'était une régie financière en plus, j'avais ce choix là qui était garanti parce que dans les régies financières il y a les primes en plus du salaire et j'ai regardé ça. J'ai préféré écouter mon cœur.
Il y a eu des années cabaret, je ne sais pas si je peux citer là où je chantais, c'était à l'acoustique aux deux plateaux. C'est vrai, les autres ne me reviennent pas vraiment, mais c'est plus à l'acoustique que j'étais. Et Monsieur Solo, c'était feu, Christophe Pilet. Comment ça se passait? T'es si jeune, tu sortais la night, c'est quoi? Oui, mes parents, ils n'étaient pas d'accord avec le fait que je sorte la nuit, parce que j'ai eu une éducation assez stricte, donc ils n'étaient pas d'accord avec le fait que je sois tout le temps dehors la nuit. Je le faisais pour pas grand chose, mais comme j'avais ma bourse de l'ENA, parce qu'en même temps je partais à l'école, c'est-à-dire la journée je vais à l'école ou au travail et le soir je chante. Et c'était pas facile parce qu'à un moment tu ne dors pas vraiment. C'était pas vraiment bien payé, mais moi je regardais pas ça, je regardais le fait que j'aimais la chose. Je me prenais toujours la tête avec mon père parce qu'il n'était pas d'accord avec le fait que je sorte aussi tard. C'était pas facile, mais tout ce qui me réjouissait c'était que j'avais trouvé un créneau pour faire ce que j'aime. T'es dans PLS. J'avais le moral à zéro. Le moral à zéro. Tu peux continuer aussi. Alors, comment est-ce que tu as vécu ce moment? Comment est-ce que tu as traversé cette période? Alors, c'était pas une période facile. C'était une période où il y avait beaucoup d'introspection, il y avait beaucoup de remises en question, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de douleurs aussi par ce que je voyais qui se disait sur moi sur les réseaux sociaux, donc ça ne me donnait pas le courage de m'afficher en plus. Et je l'ai vécu difficilement aussi parce que j'étais en période de baby blues, je venais d'accoucher, donc j'avais plus confiance en moi, je n'aimais pas ce que je voyais quand je me regardais devant la glace et je voulais arrêter aussi la musique parce que voilà, ce qui se disait sur les réseaux sociaux n'arrangeait pas grand chose. Donc j'ai voulu un moment arrêter et faire autre chose, rentrer dans l'anonymat total. Je ne sais pas si j'allais y arriver, mais j'ai pensé à ça. J'ai eu le soutien de mon fiancé, de mes parents et aussi voilà, de mes parents spirituels. Je suis juste allée parce que j'ai été appelée par Madame le ministre de la Culture pour cette chanson. Et je me suis dit, tout est à la volonté de Dieu. Hein. Si c'est moi qu'on a appelé, bah, je vais, je chante et puis voilà, on verra la suite. Mais voilà, c'était juste ça. Et puis il y a eu aussi cette décoration. Oui, c'est vrai, ça peut faire partie du dernier moment qu'il n'est pas cité là. Faut mettre ça là-bas. Donc oui, cette décoration que j'ai eue et ça a été la continuité des choses. Il m'a beaucoup boosté, il me parlait beaucoup, il m'encourageait à ne pas laisser tomber. C'est d'ailleurs lui qui a organisé le fait que je puisse me retrancher un peu pour aller composer des chansons qui sont sur cet album. Et il a été vraiment pour beaucoup dans le fait que je puisse me relever. C'est Cyril, le directeur général de Chama Prod. Moi, je suis tout ce qui vient après, en second lieu. Et voilà, c'est pour tous les deux. C'est pour moi que ça a été fait. D'accord, nous sommes en mai, donc ça m'a pris un an. Ça m'a pris un an pour produire Vibration Universelle. On a combien de titres? On a 13 titres. 13 titres avec des filles, notamment avec Didi B. Avec Inos B, avec Chanel, avec Hero. Tous les titres sont disponibles déjà sur toutes les plateformes de téléchargement légal et on est aussi en train de préparer des clés USB. On a voulu pour cette fois des clés USB au lieu des CD parce que c'est facilement transportable. De moins en moins, il y a des lecteurs CD maintenant, sauf dans les voitures, mais je sens que bientôt, il n'y aura plus de lecteurs CD dans les voitures. Ça, Donc, on a préféré des clés USB. Elles sont encore au Burida pour le sticker et juste après, elles seront mises en vente. Je n'ai pas décidé de chanter pour un disque d'or spécialement. J'ai décidé de chanter parce que j'aime. Si le disque d'or est venu, alléluia. Mais si c'est pas venu, bah c'est pas ça qui va me freiner. Franchement, je suis concentré sur moi. Hein. J'ai pas le temps de regarder à gauche à droite. J'ai fait un comeback avec Vibration Universelle. Et je suis un peu comme en train de sortir à la tête de l'eau. Donc je suis en ce moment vraiment concentré sur moi. Je regarde un peu à gauche, à droite, pour pas qu'on se montre. Par rapport à Roselyne Layo, c'est elle déchire. C'est une excellente chanteuse. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je l'encourage. Et je suis de tout cœur avec elle, je profite pour lui donner de la force. Pourquoi pas?
Attends, vous avez répondu, hein. Est-ce je ne suis pas fermée à ça, mais bon, je pense que comme en ce moment, déjà moi je suis en promo, elle est en concert, déjà il faut qu'on se voit, pour, il faut qu'on rentre, qu'on soit posé pour pouvoir faire ça. Mais je ne suis pas fermée. Sérieusement, en tant que producteur, c'est comme s'il était fait pour ce métier. Franchement, je découvre moi aussi en même temps agréablement. Et c'est un bon leader, c'est un bon patron qui sait te booster quand tu n'en as pas envie. Mais ça, on le voyait déjà quand il était en équipe nationale. Il a les mots qu'il faut. Et c'est quelqu'un qui est fou de musique. Et lui-même aussi, il se découvre ayant une oreille musicale aiguisée. Est-ce que souvent dans les sessions studio, il passe souvent derrière le micro? Non, il passe pas derrière le micro. Il passe pas derrière le micro, mais il est très impliqué. En tout cas, lorsque je suis en séance studio et que je veux tester quelque chose, il fait office de... Il représente les mélomanes, en fait. Donc, lui, il peut me dire, si tu dis, par exemple, cette phrase-là, ça prête à confusion, mais ça va laisser les gens dire que oui, voilà, ceci, voilà, cela. Mais dis plutôt comme ça. Ou bien, tu as bien chanté, mais je pense que tu peux faire mieux. Et puis, généralement, ses avis ne mentent pas. Voilà. Pour le public ivoirien, ça va mettre un peu de temps parce que j'aimerais beaucoup tourner un peu dans la sous-région. C'est des choses qui s'organisent, hein. Donc pour l'instant, c'est pas encore un projet. C'est quelque chose auquel je pense de façon récurrente ces jours-ci. Je sais qu'il y a plein de fans de José qui sont dans d'autres pays, qui sont aussi dans d'autres villes en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Qui sont aussi dans d'autres villes en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on fait des prestations ça et là et tout. Mais on a envie de faire plaisir aussi à ceux qui sont à l'intérieur, qui ne peuvent pas se déplacer sur Abidjan, comme Yamoussoukro, comme Korogo, des grandes villes quoi. Et aussi dans la sous-région. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Franchement, je bénis Dieu, hein, parce que mes premiers retours sur Vibrations Universelles sont de façon unanime positive. Personnellement, quand j'écoutais, j'aimais beaucoup parce que je me dis que lorsque tu es un artiste et que tu fais une chanson, si ça ne te plaît pas toi-même, ça va pas plaire aux autres. Donc déjà, c'était des chansons qui me plaisaient, que je prenais plaisir à écouter avant la sortie de l'album. Et aujourd'hui, avec les retours que j'ai, franchement, je suis très très satisfaite et j'espère pouvoir relever le défi parce que le défi, c'est lorsque tu fais quelque chose de bon, on t'attend sur le prochain. Donc si jamais je fais un autre album, est-ce qu'il sera à la hauteur? Il sera mieux? J'espère qu'il sera pas moins. C'est Décrocher la Lune qui est d'ailleurs le premier titre de l'album. C'est pour ça qu'il est le premier titre de l'album parce que je l'aime beaucoup, les mélodies, le rythme, ça me change de ce que j'ai l'habitude de proposer. Ça diffère légèrement du hip-hop R&B, mais c'est quand même du R&B. On retrouve légèrement du hip-hop dedans. Franchement, c'est un beau cocktail. Comme le premier, on aurait pu appeler cet album Cocktail 2. Mais c'est une question que vous n'avez pas posée. Je profite, je parle beaucoup. Donc c'est une chanson que, enfin c'est un album que j'ai voulu à voler international. Donc on a plus misé sur l'international pour que l'album soit plus ouvert en termes de fans et de communauté, que ça puisse toucher d'autres personnes que les Ivoiriens, que les francophones, pourquoi pas. Parce que peut arriver qu'on écoute une chanson et on ne comprend pas ce qui se dit, mais on aime la chanson, donc pourquoi pas. J'ai pas d'avis à donner, moi j'écoute tant que c'est chic. Hein. Je suis un peu... je dirais pas que je n'ai pas envie, je sais juste pas quoi dire, c'est de la musique. On écoute, on consomme, moi j'aime bien. Dérivé, mais bon. Non, je suis pas de ceux qui vont classer. Je veux dire, moi, généralement, même quand on me demande quel est le style de musique que tu fais, je dis je n'ai pas de style défini parce que ce serait limiter la musique. J'écoute tout tant que c'est bien fait. Donc, j'ai pas spécialement d'avis ou de parti à prendre. Tant que c'est intéressant, j'écoute. J'aime. Je n'ai pas d'astuce, hein. C'est sauf quand... j'ai la gorge qui me fait mal ou bien je n'ai plus de voix, je dors beaucoup parce que il y a ce qui paraît dormir beaucoup fait revenir la voix, repose la voix. Donc je dors beaucoup et je bois chaud, que la voix soit en forme, bien chaude et c'est tout. Hein.
c'est merci. C'est merci parce que j'estime que je reviens un peu de loin. J'étais dans une période de silence, mais il n'y a que moi et ceux qui étaient autour de moi qui savent un peu ce que j'ai traversé. Donc eux aussi, ils étaient là. Ceux qui me soutenaient, ceux qui m'aimaient, mes Amazones, mes fans de José, sympathisants de la musique de José, tout cela. Je sais que mes vrais fans ne sont pas vraiment actifs sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ceux qui réagissent généralement, c'est les jeunes et tout. Mais mes vrais fans, ils écoutent, ils regardent, ils lisent. Même s'ils ont mal, ils ne réagissent pas. Ils font juste une petite prière. Je sais que leur bonne pensée m'accompagne et ça, c'est pas rien. Parce que ça m'a permis d'être sur pied aujourd'hui. Cet album que j'ai préparé et que je vous ai donné a été fait avec beaucoup d'amour, justement grâce à vos soutiens, grâce à vos prières. Alors dégustez-le, profitez-en parce qu'il est plein de messages et je sais que dans mes chansons, beaucoup de personnes se retrouvent. Donc j'espère avoir atteint mon objectif, trimer, j'en ai besoin. Donc j'ai juste un mot, c'est merci. Acapella même. Il souhaite la merci. Je n'avais pas dit, j'allais faire. Total de but et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin la soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout, tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non, les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Voilà, tout est prêt à ta dans ta main. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Hello, c'était José. Vous étiez dans Life Focus sur Life Magazine. Thank you. Oh, non, mais l'inspiration de tout laisse là, c'était une somme de beaucoup de choses. Et on était assis, on causait. Et puis je me moquais un peu de toutes les personnes qui étaient venues autour et puis après. Et puis je me suis dit, mais ça peut faire l'objet de chansons parce que tout le monde a une situation, que ce soit soi-même ou bien quelqu'un, ça l'a laissé. C'était visé. C'était visé. Mais tout le monde a fait des fesses.